Salutations peuple de YouTube, épisode numéro 5 de Run and Bone. L'objectif est clair. C'est la reine. Bonne soirée, so. Elle branle à Roxanne, je suis pas certain que ce soit moi, je suis pas certain que ce soit malheureusement elle qui se la prenne la branlée. Hein. Malheureusement. Ok. D'accord, aéro piqué, mais en vrai ils ont les counter team, hein. C'est très grave. Hein. Ils ont le counter team à tout, hein. c'est très impressionnant. Arshen il va me découper. Hein. Merci défaitiste. Hein. Kranidos. Ah bah tiens, on parlait de de Charcos tout à l'heure. Oh, oh, oh. C'est un one shot. Allez hop. Bon, on va faire des allers-retours sur le Pokémon. Hein. C'est cool. Simule-arbre. Ok, éboulement qui va faire très mal. Oh, les dégâts sont absolument scandaleux. Lilia, c'est chiant. Hein. On a mon Inferno, ceci dit. Je devrais pouvoir normalement gérer. Ah, mais par contre, ça c'est chiant. Hein. Ok, c'est bon. Le boost de pouvoir antique, bon. Il est feu rush, hein, donc c'est x4 combat en fait. Ah non, qu'est-ce que je raconte, c'est x4 combat, n'importe quoi moi. Non, c'est x4, oh, pas combat. Je suis un déglingo moi. Cependant, c'est x4. Ouais, mais non, mais t'es trop affaibli. Hein. Trop affaibli, mais bon, c'était bien pensé. Et t'es trop affaibli quand même. x4 du coup. Ah oui, mais évidemment ils ont ah mais ça fait 0. Ah oui, d'accord. Tiens, hein. Ça veut dire que Megadrain ne one-shotait pas le Corsola quoi. Sans la baie. Je suis assez étonné, je dois bien vous l'avouer. Et j'ai oublié de sauvegarder. Je suis con. Je vais perdre. Assez tous. Bon, on va enlever la Stordy, bien sûr. Il a lui aussi la Stordy, hein, d'ailleurs, mais bon. Reste, ok. Je sens que Roxanne, ça va être un coach. Hein. Oh, Wild Charge. Ah oui, d'accord. Galégon, vas-y, Bulbib. Il a fait que de faire, hein, très bien. On va le sweep. Et... Ah, il a vu. Ah, Quick Claw, c'est ça? Ah, il a vraiment fait Quick Claw là. C'est juste Griff qui l'a fait, on est d'accord. Hein. Je vois pas autre chose en fait. Ah, peut-être. Ah non, peut-être la baie. La Custab Berry, peut-être. Possible. Il n'avait pas accéléré, je l'aurais su. Ok, bah... On va en chier, spoiler alert. Hein.
Merde. Ok. Hello, je suis Roxanne. La championne d'arène de Mirville. Ah, la championne. Je suis devenue une championne d'arène. En apprenant, car j'ai appliqué ce que j'ai appris à l'école en combat. Voudrais-tu me faire démonstration de comment tu te, de comment tu te bats? Et avec quel Pokémon? Pardon. D'accord. Si proche, hein, vous avez dit. Ok. Yeah. La baie, non, pas du tout. Focus H? Ouais, ok. Ah, mais il a... Bah, en même temps, je sais pas qu'il avait Focus H aussi, hein. Ah oh bah, je suis mort. Hein. Spoiler. Bébé. Ah, j'espère une petite burn, hein. Ah non, j'aurais pu tenir. Bravo. Bon. Quoi? Sérieux là? Fucking Zygarde 10 quoi quand même hein. Je veux pas être alarmiste mais c'est quand même Zygarde 10 en face hein. C'est pas le dernier des clodos hein. En plus il a fait Fazenza Rose bien sûr. Ok, vas-y, on va Bullet Punch. Ah bah c'est super, bah. C'est super, bah. Non mais je le tiens, regardez. Hein. Sûr. Regardez comment je le tiens. Eh, attendez, Je suis dans la sauce, là. Ah d'accord. Donc il a le coverage pour me passer, en plus. Ok, ok, soit. Mais attendez, je suis plus rapide que lui. Ah non, mais non, Zygarde 10, c'est super rapide, c'est vrai. Mais il coup critique aussi, non mais vas-y, putain. Oh, Zygarde 10, ça va être chiant. J'ai pas d'attaque glace en plus. Ouais, bah oui. Aqua Jet, bah. Pff. Vas-y, hein. Ah, c'est tout? Ah oui, la Solid Rock, c'est pour ça. Ah, le cauchemar. Évidemment. Ah oui, bah oui, bah oui, hein, oui. Ouais. Au moins, on découvre les Pokémon, quoi, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Ok. D'accord. Ah, c'est bien de la merde. Hein. Ah, c'est bien nul, là. Oulala, oui. Ah. Ok. Zygarde 10 c'est chiant. Et Soap avait dit qu'on allait mettre une branlée Roxanne. Ouais mais bon Soap c'est... En vrai si je pourrais brûler le Bisharp ça m'arrangerait. Zygarde c'est chiant. Hein. Zygarde c'est vraiment pénible. Faut que je sacrifie un Pokémon là. Non. La Roselia sert à rien. Ouais.
Mais non, mais Kyria il tient pas, putain, mais je suis complètement con, il le tient pas, le... Mais de la merde, mais excusez après toute la commu. Ah oui, ça fait 0, hein. Dragon Claw, ouais. C'est Dragon Claw, c'est stabé en plus, hein. C'est... Et c'est dommage qu'il ait pas Fake Out Quick Attack, parce que je le passais, là. Hein. Ah, je le passe seulement Quick Attack, d'accord. Ouais, c'est... Merci, le mouche forçois, hein. Caracosta. Vas-y, il va sûrement en Quadjet. Hein. Ah non, il fait Razor Shell. Ouais, je baisse la défense, bah oui, hein, c'est pas drôle. Hein. Aurorus. C'est bien. Il prend x4 au combat, ceci dit, hein, mais c'est bien quand même. Hein. Body Slam. Ah, mais c'est Refrigerate, c'est ça? Attendez, Ah non, il a pas la baie. Non. Il reste son Lunaton et je sais pas qui. Hmm. Ça va faire 0 ça. Ah quand même. Hypnosis, vas-y, bah, fuck bien, fuck bien. Fuck bien ta vie, hein. Pardon, pardon, pardon. Attends, mais Fake Out, c'est... Non, Mega Drain, il est pas plus rapide. Je le tiens, regardez. Mais coup critique, en plus, il augmente ses stats. Non mais putain... Non mais sérieux, j'avais gagné, là. C'est faux. C'est archi faux. Burn, pas du tout. Ok, donc le bail c'est... Mais Kirlia en plus, il sert à rien en plus. Et quoique contre Lunatum, peut-être qu'il peut faire un truc. Vas-y, go sacrifier. Quoique contre Roselia... Peut-être que Roselia, il peut faire un truc contre Lunatum. Hein. Contre le dernier. Je pense que c'est Kirlia qu'il faut sacrifier. Allez. C'est quoi après? C'est Pancham qu'on envoie, c'est ça? Il fait quoi Pancham? Il fait rien, non? Il fait rien, par Covet, il fait rien. Hein. Les dégâts sont inexistants, merci à tous. Du coup, Quick Attack ne tuera pas. Voilà, Quick Attack ne tuera plus le Zygarde. Eh oui. Et du coup, je suis dans la merde. Eh oui. Eh oui, du coup, je suis dans la merde. Ok, Razor Shell qui ne baisse pas la défense, c'est cool. Oh, les coups critiques, là, par contre. Aurorus. Aurorus, on sacrifie un Pokémon, là. Ah, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien à sacrifier, quoi. Ah, Roselia, quoi. Ah, mais Lunaton, je le passe pas. En aucun cas, je passe Lunaton, là. C'est bien le problème. Oh, il a bien Refrigerate, c'est confirmé. Ah ok, Solarox, ok. Bon. On va Mega Drain, mais je pense qu'il est plus rapide que moi. Hein. Tu? Ah mais c'est chaud là, franchement c'est très très chaud. J'aurais dû le sweep avant, ouais. J'aurais dû le sweep avant pour baisser sa speed. Mais est-ce que ça m'aurait fait gagner pour autant? Je ne pense pas. Il y a Lunaton derrière, après. Bon. Jamais burn hein, ce Pokémon. Hein. Après, est-ce que Kyria peut faire quelque chose contre Solarock et Celerock? Je pense pas, hein. Malheureusement. Donc autant le sacrifier directement. Putain, mais Zygarde quoi. Pancham peut faire quelque chose contre Solarock et Celerock? Il peut faire feinte, mais. Après, si, il a la priorité Bullet Punch qui peut faire des dégâts intéressants, mais.
Est-ce que à votre avis ça tue Dizzy Punch plus que qu'attaque Putain, mais c'est dommage qu'il ait pas fait KO le Lokuni quand même. Hein. Ah, mais non, mais la Covette. Covette vive attaque, ça doit tuer. Ah, pas sûr du coup. Ah non. ok. Zygarde, ouais. Et il a vraiment fait Dragon Claw. Ouh là là. Hey. Dommage qu'il ne tienne pas le... Dommage qu'il ne tienne pas la vive griffe. Hein. Enfin, qu'il ne tienne pas la vive griffe, oui. Et qu'il ne tienne pas tout court aussi. Parce que sinon, avec Draining Kiss, ça aurait fait des dégâts... Ça aurait fait des bons dégâts. Vous pouvez voir les dégâts de Dizzy Punch. Et si ça peut rendre confus, en vrai, ce serait pas mal, peut-être. En vrai, je devrais lui donner une Béoran à Lokpin, je pense. Hein. Je devrais totalement lui donner une Béoran à Lokpin. On va faire... Ah mais non, mais il a le Skill Scarf, Lokpin, du coup... chiant. Silk Scarf, mais... Bah, Béoran, c'est peut-être mieux, non? Bah, 10 PV... 10 PV, c'est nul, hein. Oh non. Vas-y, burn un peu, là. Ah, ok. Peut-être que Jobkick fait plus de dégâts que tout le reste. Hein. En vrai. Ok, bah le problème c'est que sans Pancham, je passe pas du tout Zygarde en fait. Hein, avec le pain. Il a besoin de se prendre des dégâts avant quoi. J'avoue que je suis un peu dans une impasse, je vois pas comment je peux passer le... le... La championne, là. Et Kukata qui ne tuera pas, en plus. Finalement, ça baisse la défense, sinon c'est pas drôle. Aurorus. Rosilla fait rien contre... Ceci dit, il a quand même Magical Leaf, mais... Vas-y, je vais laisser mourir l'ombre, je pense. Et discharge. Il reste les deux connards aussi, mais, ouais, mais eux, c'est un délire. Hein. Mais Roselia, il est jamais plus rapide que lui. Hein. Après, le sweep crit, ça peut tuer. Hein. Dommage. Bon, je dépasse avec Roselia, mais le problème, c'est qu'il y a Lunatone derrière, quoi. Donc, ça, on s'en fout, quoi. Attendez, si je peux l'endormir, par contre. Oh! Eh ben, en vrai, faudrait que je donne la baie marron à Roselia. Tu con, j'aurais dû la donner avant. Weakness policy, oh non mais... Pff. Mais quel connard. Oh, ne te réveille surtout pas, s'il te plaît. Pas maintenant. Oui. Oh là. Ah. Ah ouais. Merci à tous. Ah, j'ai perdu, ouais, j'ai perdu, mais... Il semble que j'ai encore beaucoup à apprendre. Hein. Je comprends. Les règles de la Ligue Pokémon stipulent que les dresseurs qui... De donner ceci au... Si tu as combattu... Enfin, si tu as battu un champion d'arène. S'il te plaît, accepte ce badge officiel de la Ligue Pokémon. Putain, la vache. C'est un sacré combat. Hein. C'est pas évident. Hein.
Le badge rush, là, j'ai pas lu. Hein. Prends ceci. Rush crushing tout attaque, mais le verre. Ok, c'est que la truck, ça. Oui. Bon bah c'était bien chiant hein. Là il y aura pas d'histoire avec la team Aqua. Le rival il est là ou pas? Y a pas de rival non plus. Ok. Prenons. Vas-y on continue hein. Bien sûr. 20 minutes ça va. Moi là-bas il y avait une super potion à l'ancienne, pourquoi elle est plus là? Je sais pas. Ils l'ont enlevé. on va voir les Pokémon qu'il y a ici. Bon par contre évidemment il y a des dresseurs de partout donc ça va être un cauchemar. Yanma, on s'en fout. Ah, mais le level cap du coup est. Ouh, ça c'est pas un mauvais Pokémon par contre. Le level cap est franchi. Débugant, c'est nul. Muna. Mushana est sûrement ok, hein, mais un peu lent ceci dit. Je peux Zigzagoon Galar, d'accord. Débugant. Oh, s'ils ont sans limite en vrai. Un petit Nidoqueen là. En plus, on a la pierre lune, hein. Nidoqueen, je sais pas. Nidoqueen, c'est vraiment pas mal. Hein. Type sol plus. Type poison plus sans limite. Si jamais ils ont sans limite, hein, monsieur. Pourrait être intéressant, Nidoqueen. Hein. Makuta, d'accord. Bon, Makuta, niveau type combat, on a déjà ce qu'il faut, donc non. Attendez, le level cap est à combien du coup là? Ou donc on a Gardevoir. Ok. Tourmente. Tourmente, il y a un monde où ça peut servir, mais. En vrai, vas-y, Ember, j'en servirai pas. 31, 32, 32. 32 le level cap, d'accord, 32. Intéressant, bah Gardevoir, let's go. Hein. Saibim. La place de confusion, ouais. Il évolue pas? Oh le sale bail! Y'a que les femelles qui évoluent, c'est ça? Non, me dites pas que c'est ça! Ne me dites pas qu'il y a que les femelles qui évoluent! Oh, ce sera un cauchemar. Return, oui. Ah, 102, marrant. Ils l'ont mis directement à 102. Vous voyez ce qu'il a mis de la mythine compte pas du coup. Ok. Intéressant. Le sale bail, ils font pas évoluer les Kirliamal, c'est ça? A tous les coups, c'est ça. Pancham, faut un type ténèbre dans la team, c'est ça? Attendez, deux secondes. C'est quel niveau Pandorbar? 31, c'est ça? Ah, mais Kirlia, vas-y, la déception, son paroxysme. 32, bah ok, bah c'est bon pour Pandorbar alors. Attends, il est bien petit ténèbre lui. Ouais. Vital Throw. Corps perdu. Body Slam. Vas-y, Covet, on a vu que ça servait à rien. Donc... Body Slam, c'est fort parce que ça peut paralyser quoi. Donc j'ai bien envie de le prendre en fait. Ok, Pangoro, ça c'est cool ça. Le problème de Pangoro, c'est que bah. Il a une nature de merde quoi. Ah non, Jovial en vrai, ça va. Par contre, 0 en IV en attaque. Ça fait mal au cul ça. Ça fait vraiment mal au fion. Oui, non.
Ah mais Kirlia, je le garde pas, hein, c'est mort hein, du coup, hein, ok. On reprendra Kadabra ou Elexprint peut-être. 26 du coup, ouais. 27, 28, 29, 30. 10 charges c'est cool. Place de Shockwave. 32, d'accord. Vas-y, on monte au niveau 32, mais du coup les combats, les combats là seront moins Venoshock. Bah... Sludge peut empoisonner. Là où Venoshock affiche plus de dégâts, si, il est empoisonné. Pourquoi c'est qu'on a rien qui affiche le poison, quoi. Donc je pense que c'est Sludge qu'on garde, non. Après, si plus tard il apprend toxique, j'avoue que... Vas-y, je prends Venoshock, en vrai. 10, 27, 28, 29, 30... Nature Power. C'est Force Nature, mais non. Ok, bah je pense qu'on va partir avec cette team-là. En vrai, Kadabra, on pourrait le monter. Attendez, mais pour Remember Move, c'est une Ekaiker aussi ou pas? Ah putain, ça coûte une Ekaiker. Ils auraient pas pu faire ça gratuit, quoi. Étant donné qu'il y a des Ekaikers, c'est limité, franchement, ils auraient pu faire ça gratuitement, quoi. Donc là du coup typiquement j'apprends Armor Arm à Pangoro, je perds une Ekaiker, c'est ça? Bande de bâtards. Franchement je trouve ça dégueulasse pour le coup, parce que autant qu'il limite les Ekaikers pour les natures, je veux bien. Mais pour le maximiser les IV aussi, mais par contre pour il est pas vendu la perle. Et par contre pour réapprendre une attaque... Je suis vraiment moins ok avec ça, quoi. Vas-y, Kadabra, on va monter pour voir s'il apprend pas un truc intéressant, mais Kadabra, c'est que des attaques psy, en fait, hein, donc... On sait. À l'avance. Recover. Bah, place de confusion, ouais. Ah, j'ai perdu la connexion avec mon chat. J'ai perdu la connexion avec mon chat, ça se trouve, j'ai vu des... Il y a des messages qui sont arrivés, je les ai pas vus. Merci à tous. Le dernier message que j'ai, c'est Toupie, là. Je sais pas si c'est vraiment le dernier, mais... Il est là, quoi. Bah du coup on va aller voir le tunnel Mérazon. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans les autres herbes là? On l'a fait il y a 5 minutes mais j'ai oublié. Hein. Ok forcément, bon là ça va être facile. Hein. Ah Bad Punch il tient, d'accord. Pidgeotto. Il a tenu hein, le Pidgeotto d'ailleurs. Méga Rocarnage est dispo. En vrai Méga Rocarnage est pas du tout un mauvais Pokémon. Hein. Ah. Marrant. Pas grave, ça. Oh le Whimsicott là qui. Mais non, Magnétric qui n'a pas d'attaque donc forcément c'est chier. Bah du coup c'est chiant. Mais je crois qu'on peut le skip le combat duo, non? Enfin on peut le skip. On peut le. En faire un con. Le rendre solo quoi. C'est ce que je veux dire. Comme à là. Oh, le Bouddhisme qui paralyse, bien sûr. Léviator, ok, bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Heureusement que j'ai discharge, quoi. Ok. Non, on peut pas l'esquiver, le combat duo. Ah putain, c'est vraiment de la baise. Ah non, attendez, si. Attendez, mais... Oh, la Pokéball. Attendez, la Pokéball, on est obligé de l'attraper que quand? En fait, le jeu nous force à faire le combat duo, sinon on n'a pas la Pokéball, quoi. Ah.
Ils sont foirés. Et le pire, c'est qu'après, il se replace, donc la Pokéball, elle serait condamnée ever, quoi. C'est ce que je crois. C'est ça, hein. Pourquoi je suis pas allé là? Après, le Kalinos doit tenir un objet, j'imagine. Donc ça pourrait pas être inintéressant de faire l'échange, en fait. Hein. Donc j'ai fait des grands yeux, mais si ça se trouve, le Kalinos c'est un objet intéressant, genre, je sais pas, moi... Il y avait un des Kalinos ici, non? Malos. Mais Kalinos, il est là, normalement. Par contre, ce serait de le trouver vite. Malos, c'est chiant. Malos, c'est toujours chiant. Malos, ceci dit, hein, il a des Molossites disponibles. Hein. J'ai réveillé, y'a pas de Kalinos ici? Alors que j'ai un Pokédex que je ne regarde pas, bien sûr. Bon, c'est chiant là, montrez-moi Kalinos s'il vous plaît là. Ah oui, c'était Nidoqueen hein, qui m'intéressait. Là-haut là. Vraiment? Oh là là, j'aurais dû le capturer tout à l'heure, hein, parce que putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. Hein. En plus, là, je cherche même pas à avoir un bon Kalinos, hein. Je veux juste avoir un Kalinos et l'échanger, quoi. Par pitié. Le jeu. Oh, le cauchemar. Vas-y, YouTube, je vous reprends quand on l'a trouvé. Hein. Et re YouTube, on se retrouve pour Clémenti. Pourquoi? Parce que, bah, écoutez, j'ai attrapé le Kalinos. Je me suis souvenu qu'il y a des zones à explorer avec Koopa. Ah bah attendez, mais... En fait, je pouvais faire ça des... C'est trop, j'ai même pas besoin d'apprendre Koopa un Pokémon parce que j'ai appris Koopa à prendre Cham que j'ai récupéré du PC. Mais ça se trouve, en fait, j'avais juste qu'à toucher les arbres. Et c'était bon. Ok, bon, ça c'est comme dans le jeu classique. Oh, une CS. Une CT. Feuille magique, c'est à chier. Merci pour toutes ces traductions que vous apportez, ça aide. Oui, parce que, faut savoir, quand j'ai stoppé le record pour YouTube, bah, je suis parti voir Norman et il m'a dit en gros qu'il était fier de moi, quoi. Que j'étais de plus en plus fort. Et j'ai traduit, hein. Tout le chat était perdu, personne ne savait ce que ça voulait dire et j'ai traduit, quoi. Parce que je suis bilingue, moi. Parce que quand d'autres restent, je suis bilingue. Attendez, mais du coup, là, si je dépose le Pancham dans le PC, là. Est-ce que je peux couper l'arbre? Faut que je le sache, hein. Faut que je le sache, hein, parce que si je peux, écoutez, ouais, comme prévu, j'ai le Kalinos est là, bien sûr. Mais, oui, si je peux le couper sans... Ah oui, ok, donc j'ai pas besoin d'apprendre de... Ok. Pépite, c'est cool, hein. Donc, c'est confirmé, y a pas besoin de CS. Tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va échanger Kalinos du coup. Allez, salut. Allez, Game Boy Advance, bien sûr. Il se rappelle avec le câble Link sans fil. Une sacrée époque. Hein. Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux le Kalinos. D'accord, c'est lui, Choui. Il suit. Eh oui. En vrai, pas dégueu Kalinos d'y suit. Hein. Après, faut qu'il ait... Faut qu'il ait la bonne nature, quoi. Il a quoi comme objet? Calme, hein, ça chier. Rarebone. Hein. Il a de bons idées, hein. Ouais. Hein. Dommage qu'il ait une nature éclatée, quoi. C'est quoi Rarebone, hein? Le méchoui, hein, si vous voulez. Hein. Vous aimez bien le couscous méchoui, vous pouvez. Hein. Ok.
combat duo, c'est chiant. Inferno et Roselia. Pas convaincu du... Les... Et j'ai bien fait de mettre Manectric pour... Ah mais ils sont que niveau 23, c'est vrai. Ah mais ça touche tout le monde, discharge. Du coup j'ai l'air bien con. Bon, en vrai, le combat duo était vraiment pas compliqué vu qu'on a un milliard de niveaux de... Focus Sage, Farfuré, bien sûr. Bon, c'est pas drôle. Et Mascadra... Mais non, mais... C'est vrai. En fait, t'es obligé de faire tout d'un coup. Donc la Pokéball, je l'ai perdu ever, quoi. Ah, c'est superbe, hein? J'espère que c'était pas un objet important. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi, ça? C'est bien nul, hein. Putain. Comment ça? Je suis en train de me faire bolosser par un fermier qui a 10 niveaux manquants, là. C'est réel, là. Ah oui, d'accord, ouais. Okay. Ah mais Tanguyla il a une énorme défense, mais je perds le duel, hein, c'est réel. Hein. Il manque qu'il apprenne... Ah ouf. Oui. Ah mais ok d'accord, il a Drill Peck, du coup je le passe pas en fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire, du coup vous êtes en train de me dire que je perds, c'est ça? Alors peut-être pas. Aishu. Je meurs. Ah non. Bullet Punch il tient parce qu'il est électrique. Bah on a loose quoi. Non mais l'objet qu'on peut pas avoir quoi. Non mais ça me fume en fait. Incroyable quoi. Le seul moyen de l'avoir c'était de battre les dresseurs coup sur coup. Mais sinon tu te fais baiser. T'as même pas aucun moyen de te rattraper quoi. Pas comme dans Rouge et Bleu où il y a un truc que tu peux avoir avant d'avoir coupe. Hein. Et si tu l'as pas, tu y reviens plus tard quoi. Mais là, non, là vraiment, là t'es niqué quoi. C'est incroyable. Et ben. Là, c'est un code qui va passer à travers les murs. Spoiler, je le fais, rien à foutre. Il doit y en avoir un, j'imagine, mais bon. Pas de dresseur ici? Ah non, ok. Normalement, ils sont censés y en avoir, mais là, apparemment, non. Quelque chose Stoberry, c'est un peu la top, hein, visiblement. Bah, vas-y, hein, fais reflet, connard. Voilà. Focus Sage, bien sûr. Earthquake. Ok. Ah c'est toi, la personne qui m'a non seulement aidé à Clémenti, au bois Clémenti, mais qui a également apporté mon paquet volé et qui m'a sauvé mon travail, je te remercie beaucoup.
c'est pourquoi si j'étais un nuage de pluie, je te t'arroserais de ma avec gratitude. Et grêle, une grêle en tant que héros, mais si un toi le plus merveilleux dresseur, j'ai des bonnes nouvelles. Ça donne combien d'hyperballs? Nos nouvelles Pokéballs vont être disponibles à la boutique de Merouville. S'il te plaît, essaye-les et merci et au revoir. Castor. Combien d'hyperbole du coup? Une seule. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas fichier votre pote, hein. Très bien. Holo singe, je suis aussi de type ténèbres, donc. Je prends Rush, évidemment. Elum Berry, bien sûr. Pangoro est mort. Pangoro, c'est finito. Hein. Et Gligar. Gligar, c'est un peu chaud à passer. Hein. Ok, il n'a pas les violites, donc ça allait. On va le voir là-dedans, vite fait. Craque-moi. Ah, mais super, je le passe pas. Craque-moi en plus. Parce que j'ai... Ah si, j'ai bite. Lol. Hearthstone, d'accord. Eh oui. Pour te montrer à quel point j'apprécie cela, j'aimerais que tu prennes c'est quoi? Shop de fou, blablabla, quelqu'un de speed. Ah, Rock tombe, ok. Ah, maintenant, je peux te voir tout le temps. C'est mon DLC merveilleux. S'il te plaît, prends du repos chez moi. Allez, cassez-vous, j'en ai rien à foutre de vous, là. Oh, Mamochon. Ah, Mamochon, faut une écaille-cœur aussi. En vrai, il y a un monde où en off, je vais prendre un type sol, je pense. Parce qu'il y a l'arène de type électrique qui arrive, là. Donc bon. Oh, Mastouf sous tempête de sable. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Pas du tout de bonnes nouvelles. En vrai, du coup, ça va. C'est boosté, il a fait all, quoi. Melodelph, hein, Melodelph, c'est chiant. Il y a Roselia, mais Melodelph doit toucher Roselia, j'imagine. Draining Kiss, ok. Ah, il a... Ok, il a bien Magic Guard, quoi. Il a fait ensorceler Melodelph, putain. Pas énorme. On l'endort. Voilà. Et ok. Bon, est-ce qu'il y a toujours l'histoire des lunettes noires à récupérer ici ou pas? Putain, mais il y avait des objets ici à récupérer avant, j'arrive pas. Ils ont retiré beaucoup d'objets, hein, j'ai l'impression, trouvables. Hein. Non, moi, sont... Si, ouais. Allez, Wise Glasses, d'accord. C'est pas les lunettes noires, là. Ah, c'est pas ça. Hein. Là, c'est... Ok, bah, écoutez... Très bien. Oh, Gligar aussi. Hein,
En vrai, Gligar, ça pourrait, hein. Ça pourrait, Gligar Scorvol est un bon Pokémon, hein. Et c'est un type sol, en plus. En vrai, vas-y, je vais... Il doit tenir le bite, ok. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Il meurt pas. C'est chiant. Ok. Et Gligar s'est pris. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, pote là? Ah oui, c'est un homme qui a fait ce tunnel pour une femme qu'il aime. Je ne les réalise pas, mais hey. Mais hey, ouais. Du coup, on rattrape Vergazon et on... Ok, d'accord. La prochaine arène sera bien la troisième, logiquement. On va regarder notre Gligar qui va être dégueulasse, bien sûr. Un petit Gligar modeste, là. Gentil, c'est cauchemardesque. Les IV sont à chier. C'est nul, merci à tous. Au revoir YouTube, pense au pouce bleu bien sûr et à bientôt.